À tous, vous m'entendez bien? Alléluia. Je suis très mauvais danseur, ma femme me le dit, donc je ne voulais pas que vous puissiez plutôt vous focaliser sur ma danse au lieu du message que je vais apporter ce matin. Donc comme ça, c'est beaucoup mieux pour vous. Je vous préserve de pas mal de choses. Alléluia. Vous savez qu'en octobre 1517, ça remonte à 500 ans, Martin Luther a publié 95 thèses. Et ces thèses sont à l'origine de la réforme protestante. Et nous allons fêter forcément ces temps-ci les 500 ans. Alors, mon défi, c'est de vous parler de la réforme tout en parlant de heureux les cœurs purs. Je vais inviter Martin Luther de venir. Il a fait le voyage dans une machine à remonter dans le temps. On peut l'applaudir. Timothée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. J'aime beaucoup son écharpe. Je trouve que ça honore vraiment un certain pays. Donc, je vais honorer. Alors. C'est triste. Je vais demander à Martin Luther de dire une phrase en latin. Parce qu'à mon avis, tu l'as pas. Si, c'est vrai. Ok. J'ai de la peine de lire du latin parce que ma grande réforme, c'est que partout, on ne lisait qu'en latin dans les églises. La Bible était qu'en latin, les chants étaient qu'en latin, et la réforme, c'était de changer tout ça. Tu me demandes de lire quelque chose en latin. Je dis, mais il comprend pas. 500 ans que j'ai travaillé et puis qu'il met tout ça en l'air. Aïe. J'espère que vous avez votre Bible au moins. Parce que moi, je suis un... C'est en français ou en italien? Ou en roumain ou en... Il faut avoir une Bible. J'ai travaillé toute ma vie pour que les gens puissent lire leur Bible dans leur langue. Bon, je vais lire pour te faire plaisir. J'ai pris les 95 tests. C'est les enfants qui m'ont invité. Alors, j'ai expliqué que c'était 500 idées nouvelles pour changer l'Église. 95 idées nouvelles pour qu'on comprenne qu'on doit vivre par la foi et qu'on ne doit plus payer pour aller au ciel. 95 idées nouvelles pour dire que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Et c'est vrai qu'au début, j'ai cité... S'il vous plaît. Une grande vérité... Mais il m'a promis, le pasteur Sébastien, de vous l'expliquer. C'est les sola scriptura sui ipsius interpres. Vous ne comprenez pas, hein? Eh bien, heureusement que vous ne vivez pas dans mon temps, c'était tout le temps comme ça. Les gens, ils ne comprenaient rien du tout. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Bon culte à tous. N'oubliez pas, hein? C'est la Bible. Aimez la Bible. Alléluia, on peut applaudir Albert. Je vais demander de venir à Martin. Martin Albert Luther. Il était en train d'animer les enfants, j'en ai profité pour le prendre. Vous étiez content de le voir. Il est beau, hein? Il a des cheveux en plus, donc c'est étonnant. Donc c'est une bénédiction. Oui, en fait, Luther disait « Scriptura sui ipsius interpres ». Quelqu'un fait du latin ici? Oui, il y a longtemps. Ça veut dire quoi? Oui. Alors, ipsius interpres, en fait, c'est seule la Bible et son seul interprète, son propre interprète. Ça veut dire que Martin Luther défendait cela. Il défendait parce que vous savez qu'à l'époque, dans le monde catholique, on modifiait la Bible et on rajoutait des choses. Il y avait aussi les traditions qui étaient là. Il y avait pas mal de choses qui étaient là en plus. Et Martin Luther faisait en sorte de revenir à la base et de faire le célèbre
les trois célèbres sola, les cinq célèbres sola, dont le sola scriptura, seule l'écriture. Mes amis, nous avons devant nous, et je voulais introduire cela, un vrai miracle, la Bible. C'est un vrai miracle parce que la Bible a été plusieurs fois brûlée. On l'a interdit, on a tout fait pour l'étouffer, même pendant des centaines et des centaines d'années. Et la Bible est toujours là, actuelle, aujourd'hui. C'est un vrai miracle, c'est la parole de Dieu. Et je suis en train de faire des études, des cours bibliques, et je suis en train d'être impressionné combien la Bible est venue d'une manière le plus authentique possible par rapport à l'époque de l'Antiquité. Il disait que aucun livre de l'Antiquité n'est parvenu à nous dans un état aussi parfait que la Bible. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut applaudir Dieu? Parce que Dieu est bon. C'est la parole de Dieu, les amis. Et moi, je suis convaincu que malgré, vous savez, l'Empire romain a essayé d'étouffer, il y a eu pas mal de choses, si vous lisez l'histoire, c'est vraiment intéressant, mais on a tout fait pour l'étouffer, cette Bible-là. Et je pense que l'Esprit a agi dans les cœurs. L'Esprit a fait en sorte que la Bible. Nous avons le Saint-Esprit qui est là. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est un miracle. Et Luther disait aussi qu'il ne suffit pas seulement de lire les Écritures, mais il faut saisir pour soi les vérités découvertes et les appliquer dans sa vie. Je vais le redire. Il ne suffit pas seulement de lire les Écritures, mais il faut saisir pour soi les vérités découvertes et les appliquer dans sa vie. Et je voudrais qu'on commence à prier ce matin pour demander à Dieu qu'on puisse saisir des vérités qui sont dans la Bible et qu'on doit les appliquer dans notre vie. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi, à l'écoute de ton esprit. Et nous voyons combien c'est un miracle, combien les paroles ont traversé les âges, les persécutions, toutes les choses. Et Seigneur, nous te remercions, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, que tu nous as parvenu ces paroles le plus possible. Et je te demande, Seigneur, d'être à l'écoute de tes vérités, à l'écoute de ce que tu veux nous faire découvrir ce matin. Qu'on puisse, Seigneur, non seulement écouter, mais appliquer dans notre vie. Que ta parole nous nourrisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelques mois de cela, on m'a demandé de m'investir dans la louange, dans un événement extérieur, et de prendre du temps. Et j'étais assez content du fait qu'on me demande cela, et je me suis dit, oui, comme ça je pourrais apporter ce que j'ai au niveau de la louange, je peux apporter de ce que j'ai appris tout le long des années. Et j'étais vraiment heureux de pouvoir faire cela. Mais au fond de moi, je sentais que Dieu ne voulait pas que je le fasse. Au fond de moi, je savais que Dieu ne voulait pas que j'aille de l'avant, que je m'investisse dans ce moment-là. Alors, j'ai demandé à la personne qui m'a contacté, j'ai dit, je suis encore en réflexion. Et je réfléchissais encore et j'ai dit, oh, mais j'ai l'impression que je peux donner quelque chose. J'ai l'impression que je peux apporter quelque chose au niveau de la louange. Et je sentais vraiment Dieu qui me disait, non, ce n'est pas ce qu'il faut maintenant. Ce n'est pas ce que je veux que tu fasses maintenant. Et je voulais vraiment, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi de pouvoir investir encore plus. Mais je n'étais pas en paix. Si bien que j'ai appelé la personne et je lui ai dit, écoute, je pense que ce n'est pas le moment. Et je dois éviter de faire ça pour le moment. Ça sera peut-être un autre moment. Quel est le mal de faire la louange à l'extérieur? Quel est le mal de m'investir ailleurs? Il n'y a rien de mal de donner de la louange en plus et d'investir là-dedans. Le seul problème, mes amis, c'était l'intention de mon cœur. En fait, on peut faire des choses du point de vue humain, plein de choses, mais pas être dans la volonté de Dieu. Ma volonté, c'était peut-être de booster des choses et peut-être qu'il y avait peut-être une sorte d'orgueil en moi qui dit « Ouais, je vais apporter des choses. » Mais Dieu m'a dit non. Dieu m'a dit « C'est pas le moment. » Dieu m'a remis à sa place, à ma place. Et m'a dit « Maintenant, c'est moi qui fais ta volonté. Je sais que tu peux peut-être apporter des choses. Et pour le moment, c'est pas ce que je te demande. »
Et peut-être que ton intention de cœur n'était pas assez pure. Et j'ai appris à différents moments de ma vie à accepter, à abandonner, suivant la volonté de Dieu. Dans Matthieu 5, verset 8, il est marqué « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Il y a une autre version dans Darby qui dit « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu ». Mes amis, on a vu plusieurs fois que dans les Béatitudes, qu'il y a un chemin dans le bonheur, il y a des secrets dans le bonheur. Et je vous invite à écouter les messages sur le site internet de l'Église. Et il y a vraiment des messages qui nous impactent, parce que c'est que le secret du bonheur est de suivre Dieu. Mais aujourd'hui, ce matin, je vais vous montrer que le chemin du bonheur aussi passe par la pureté du cœur. Si vous notez, je vous invite à noter ceci, nous sommes appelés à avoir un cœur. La Bible nous dit, attention, ce n'est pas heureux ceux qui ont un cœur parfait, ils verront Dieu. Sinon, personne ne pourra voir Dieu. Mais dans le grec ancien, la phrase « avoir un cœur pur » ou « être pur de cœur », ça avait cette idée de clarté, de transparence. J'ai amené des petits objets aujourd'hui ici. Et j'ai ramené déjà un verre. Et en fait, c'est vraiment cette idée de voir nos cœurs, nous voir à l'intérieur. Imaginez que c'est votre cœur et que votre cœur puisse être transparent, être tel qu'il est. Vous savez, si on met du jus d'orange, on voit tout de suite que c'est du jus d'orange. Si on met du Coca-Cola, on voit qu'il y a du Coca-Cola. Si on met de l'eau, on voit que c'est de l'eau. Bon, si on met de la vodka, on ne sait pas si c'est de l'eau ou de la vodka, ça ressemble beaucoup. Mais en fait, tout ce que l'on met dans le verre, s'il est transparent, on voit ce qu'il y a dedans. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous demande d'avoir un cœur transparent, un cœur qui nous permet de voir ce qu'il y a, pas caché, pas le couvrir de quelque chose. Dans la Bible, cette notion de cœur pur, ça veut dire vraiment, sous-entend ce cœur non partagé. Un cœur sans hypocrisie. Un cœur entier. Un cœur 100% pour Dieu. Un cœur complètement entier. Vrai, transparent, entier. Tout est pour lui. Tout est pour Dieu. Et c'est vraiment l'idée de ne pas avoir cette fausse image. Spurgeon, Charles Spurgeon disait que lorsqu'il commentait ce passage, il rappelle que Jésus ne dit pas « Bienheureux sont les purs dans la langue » ou « Les purs en action » ou beaucoup moins « Bienheureux sont les cérémonies pures » ou « En vêtements » ou « En nourriture » mais c'est bien « Bienheureux sont les purs de cœur ». Et parfois, nous cherchons la pureté dans autre chose que dans nos cœurs. Dieu dit « Au-delà de nos apparences, au-delà de nos actions, au-delà de nos images, ce que nous voulons faire paraître, le plus important, c'est ce qui sort du cœur. Nos attitudes de cœur. » Et Jésus insistait sur ce point. Vous savez, et je vous invite à prendre votre Bible, à regarder dans Marc 7, je préparais ce passage-là, de Marc 7, 14. Mais Jésus insistait souvent sur ceux qui n'étaient pas purs de cœur. Il avait horreur de ce genre de personnes qui avaient une sorte d'apparence extérieure et qui montrait seulement leur apparence extérieure, mais lui, Jésus, connaissait le cœur. Parce que pour Dieu, pour Jésus, le cœur est transparent. On voit tout à travers. Alors que Jésus, il était en train de manger avec ses disciples, alors qu'il était en train de tranquillement être dans son repas, les pharisiens qui étaient autour de lui ont vu que les mains des disciples étaient impures. Et il y avait tout un rituel de pureté, il y avait des traditions, il fallait laver la coupe, il fallait laver les cruches, il fallait laver le vase des reins, il y avait toute des démarches de purification avant de prendre le repas. Et ils disent, mais pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens? Et pourquoi ils prennent leur repas avec les mains pures? Jésus aimait absolument pas des fausses interprétations de la Bible. Généralement, ce qu'on aime, nous, et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Luther, c'est qu'on interprétait la Bible en notre faveur. Et d'ailleurs, Luther disait que s'il y a un passage qui te semble obscur dans la Bible, regarde en fait, d'une manière générale, l'ensemble de la Bible. T'éclairer sur ce passage. En fait, la Bible,
Il y a une unité dans cette Bible. Ça veut dire que ce que tu vois à la fin est la même chose que ce que tu vois au début. Il y a vraiment une unité. C'est pour ça qu'on dit que la Bible est canonique. Bon, je ne vais pas faire une étude biblique là-dessus. Mais il y a tout un ensemble qui est là. Et Jésus, lorsqu'il voyait ces pharisiens, il voyait ces pharisiens qui tournaient à leur avantage la Bible et l'interprétation qu'on en faisait. Ils prennent la loi et par apparence, ils faisaient bien devant les autres. Ils se montraient bien. Et ils jugeaient même ceux qui ne suivent pas la loi. Leur cœur était tortueux. Les cœurs avaient des pensées impures et ils cherchaient à condamner les autres. Et Jésus voyait cela. Parce que Jésus, pour Jésus et pour Dieu, le cœur est transparent et il voit tout. Alors Jésus leur dit, hypocrite, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et regardez ce qui se passe. Au verset 15, il est marqué, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Il dit encore au verset 21, si vous lisez, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. En fait, Jésus fait remarquer que la pureté ne vient pas de l'extérieur et l'impureté ne vient pas de l'extérieur non plus. On a tendance à dire « Oui, mais j'ai vu ça et ça m'a touché. Oui, j'ai vu la pornographie et ça m'a... c'est pour ça que je suis comme ça. Parce que j'ai vu des choses. » Mais Jésus dit « Non, l'impureté ne vient pas d'extérieur, mon ami. L'impureté vient de l'intérieur. C'est ce qui se passe de l'intérieur. Que ce soit tes mains lavées ou non, que des rites que tu pratiques ou non. C'est le cœur qui est souillé. Et c'est le cœur qui produit des pensées, puis des actes. Tout provient du cœur. Peu importe ce que tu vas laisser transparaître. Peu importe l'image que tu vas donner. Selon l'Évangile, ce qui décide de la pureté ou de l'impureté du cœur, ce sont l'intention du cœur, l'attitude de cœur. Un homme disait, et j'ai vraiment aimé, nous pouvons être gentils, mais avoir de mauvaises intentions. Et il nous disait une image qui était assez forte. Vous savez, un pédophile, il est très gentil avec les enfants. Mais il n'a pas de très bonnes intentions. On peut être gentil à l'intérieur, on peut être gentil à l'extérieur, mais à l'intérieur, d'avoir des desseins de tromper, des choses qu'on veut tromper le monde. Et au contraire, on peut être parfois en colère, mais avoir de bonnes intentions. Le problème, c'est que mes amis, nous les hommes, on regarde à ce qui frappe le regard. Quand on voit un homme en colère, on pense qu'il y a une mauvaise intention derrière. Ou lorsqu'on regarde un homme gentil, on pense qu'il a de bonnes intentions. On peut tromper l'homme. On peut tromper ceux qui sont autour de nous. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu regarde au cœur. Dieu sait toutes choses. Nous nous fions à l'apparence. On regarde à ce qui frappe le regard. D'ailleurs, vous savez, on s'est marqué dans Samuel, où lorsque Dieu parle à Samuel en disant « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. » L'homme va toujours regarder les personnes en fonction des actions. L'homme va toujours regarder les personnes en fonction de ce qu'il fait. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel sait ce qui se passe au cœur. La réalité pour Dieu, ce qui vient de pur ou impur passe par l'intention du cœur. Peu importe l'apparence que tu veux donner, Dieu voit ton attitude, Dieu voit ton intention. Et c'est pour ça que Jésus dit « hypocrite ». Hypocrite, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez ce que c'est qu'un hypocrite ? Qui veut être un hypocrite ? D'accord, vous savez ce que c'est. En fait,
Il faut savoir que hypocrite, d'ailleurs, à l'époque de Jésus, dans l'Antiquité, c'était pas une mauvaise réputation. En fait, déjà, hypo, ça veut dire sous. Et crineum, ça veut dire décider. En fait, ça veut dire on sous-décide. C'est-à-dire, en gros, tu vas dire quelque chose, mais à l'intérieur, tu vas dire autre chose. C'est ça. Et à l'origine, le terme hypocrisie, c'était réservé au théâtre. Et on représentait sur scène. Et vous savez qu'il y a une rue, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait la rue Démosthène, qui est juste derrière. Et la rue Démosthène, en fait, il faut savoir que Démosthène était un bon hypocrite. Mais pas dans le mauvais sens du terme. C'était un bon comédien. Au 4e siècle, c'était un grand orateur. Et il était brillant. Et on le disait que c'était un bon hypocrite parce qu'il savait incarner des personnages sur scène, faisant de lui. Voilà, on voyait quelqu'un de complètement différent. En fait, un hypocrite au théâtre, c'est de faire de sa vie, enfin, c'est de montrer un autre personnage que ce qui est réellement. Et parfois, dans notre vie, on récite devant un public, on met un masque et on joue un personnage. Et c'est ça que Jésus critique. Ce sont ces hypocrites-là. Jésus dit, tu es un hypocrite, tu joues un personnage. Ton cœur n'est pas vrai, ton cœur il est partagé. Tu es un masque, tu n'es pas authentique. 18 fois, vous savez, dans les évangiles, Jésus parle d'hypocrite. Et par plusieurs fois, il parle des pharisiens qui sont hypocrites. Jésus a horreur des hypocrites. Jésus a horreur d'un peuple qui honore dont le cœur est éloigné. Jésus a horreur d'un peuple qui lui sert, dont le cœur est éloigné. Jésus a horreur d'un peuple qui le loue, dont le cœur est éloigné. Au bout d'un moment, il dit, mais arrête, arrête de me louer, arrête de me servir, arrête de m'honorer, si ton cœur est éloigné. Ce n'est pas ça que je cherche. Ce n'est pas des personnages, ce n'est pas un masque que je cherche. C'est un cœur pur, vrai. On peut regarder vite fait des passages. Regardez, par exemple, par rapport aux offrandes, Matthieu 6. Verset 2, c'est marqué, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Regardons encore dans Matthieu 6, verset 16, c'est tout ce qui est dans les sermons de la montagne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. Regardez dans Matthieu 6, verset 5, par rapport à la prière. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. En fait, il dit, ne t'occupe pas d'eux. Ils vont avoir ce qu'ils vont avoir. Ne sois pas comme les hypocrites. Quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu donnes tes offrandes, quelle que soit ton intention, tu dois le faire avec un cœur pur. Alors, quelle est ton intention lorsque tu loues ce matin? Quelle est ton intention quand tu viens à l'église ce matin? Quelle est ton intention lorsque tu prends la prière avec Dieu chez toi à la maison? Quelle est ton intention lorsque tu donnes tes offrandes? Quelle est ton intention lorsque tu fais quoi que ce soit pour Dieu? Est-ce que ton cœur est pur? Ou est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu portes un masque ou est-ce que tu es vrai? Alors, j'ai envie d'être dans la pratique ce matin. Je voudrais vraiment qu'on réfléchisse ensemble comment avoir un cœur. J'aime énormément le personnage de Job. Vous savez que Job, Dieu l'avait qualifié d'intègre et droit. On va le regarder ensemble, ce passage, dans Job 1, verset 8. Il est marqué, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Le mot « intègre » signifie en hébreu, ça veut dire « moralement innocent », ça veut dire « celui qui est moralement et éthiquement pur ». Ça veut dire que lorsque on dit « il est intègre et droit », ça veut dire que Dieu lui dit « regarde comme il est pur ». Ce qui est beau, c'est que
Dieu regarde au fond de son cœur et il voit sa pureté. Il n'attache pas, en fait, son nom en fonction de ce qu'il possède. Il n'a pas dit, « Oh, regarde, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il a des milliers de troupeaux, il a des milliers d'enfants, il est béni, il a tout ce qu'il a. » Lorsque Dieu parle à Job, il parle de l'état de son cœur. Nous, encore une fois, on relie les noms des personnes en fonction de ce qui nous frappe, de ce que nous voyons, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, de leur exploit, de leur bêtise. Rappel de Vincent, celui qui a une belle maison à Le Saint-Pierre. Tu te rappelles d'Éric, le pasteur de l'église Anderlecht, qui n'est pas là ce matin. Tu te rappelles d'un tel, regarde ce qu'il a, regarde ce qu'il fait. Tu te rappelles de Seb, le responsable de louange. Tu te rappelles de... Et à mon avis, vous avez plein d'idées comme ça. Mais Dieu ne nous appelle pas par rapport à notre conscience. Dieu ne nous appelle pas par rapport à ce que nous avons. Dieu regarde au fond de nos cœurs. Et quand Dieu il te regarde, il ne parle pas de ce que tu as. Mais il essaye de regarder ton cœur. Alors, quand Dieu te regarde, comment t'appelles-tu ? Quel est l'état de ton cœur ? Comment va ton cœur ? Est-ce qu'il est si transparent que ça ? Comment Dieu va t'appeler ? Et Satan, il dit au verset suivant, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de sa protection, lui, sa famille, tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. En fait, en gros, Satan, il dit, Job, Job, il croit en toi ? Oui, 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 Job, il croit en toi et je pense qu'il croit en toi d'une manière désintéressée. Je pense qu'il ne porte pas d'intérêt pour toi. En fait, il a tout ce qu'il faut. Il a une famille, il a du travail, il a des richesses. C'est ce que Satan lui dit. Lui, là, Satan lui rappelle de ce que Job possède. Satan lui rappelle, regarde ce qu'il a. Je suis sûr que tu penses qu'il a un cœur droit, tu penses qu'il a un cœur intègre, mais moi, je sais que c'est parce qu'il a tout ça qu'il est intègre pour toi. J'aime beaucoup le début. Je l'ai ici. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Est-ce que ce matin, tu crains Dieu d'une manière désintéressée ? Parce que tu as tout ce qu'il faut. Et si vous lisez Job, toute l'histoire de Job est basée sur son cœur pur ou non. Vous lirez la fin tout à l'heure, la garde en suspens que vous connaissez. Et ce qui est incroyable, c'est que même ses amis, alors qu'il était entouré d'amis, ses amis lui demandaient de demander pardon, de revenir, d'essayer de le travailler dans son cœur pour renier Dieu, pour renier tout cela. Même ses amis, il était éprouvé. Alors comment faire ? Comment Job a pu rester intègre malgré les difficultés ? On va mener une petite enquête. J'aime les enquêtes. Regardons à un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez que David, il avait remarqué que son cœur était impur. Lorsque, en fait, il était tombé dans l'adultère avec Bathsheba. En fait, David était conscient qu'il devait avoir cette sincérité de cœur. David voulait réparer ce cœur qui était, il était sale après avoir fait. Il n'était pas très propre. Et il avait un cœur bien disposé. Et ça, c'est important. Le cœur bien disposé. En fait, avant toute chose, avant que tu commences à dire, « Seigneur, moi, je vois mon cœur qui est impur, mes pensées qui sont mauvaises. » La première chose à faire, c'est d'avoir un cœur bien disposé. Et David a fait un temps et il a écrit un psaume par rapport à ce qu'il a fait. Et regardez ce qui est marqué dans son psaume, qu'il a marqué le psaume 51. Voilà ce qu'il pouvait prier à la suite de ça. Il est marqué, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être.
de mon être. Et regardez au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La première chose dans mon enquête, c'est que tout commence dans le secret. Vous vous rappelez tout à l'heure des hypocrites que Jésus dénonce. Si on regarde encore le passage de Matthieu 6, versets 2 à 6, vous savez que lorsqu'on donne des offrandes, etc., c'est parce qu'on peut l'afficher, c'est rien. Mais il est marqué plus tard, « Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que te fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Vous vous rappelez lorsqu'on parlait du jeûne et que lorsque Jésus parlait des hypocrites au niveau des jeûnes, eh bien c'est marqué du jeûne, c'est marqué plus tard, je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense, mais toi quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Encore une fois, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous vous rappelez aussi au niveau de la prière, lorsque Dieu disait des choses hypocrites par rapport à ceux qui priaient à haute voix d'une manière à se faire montrer devant tout le monde. Regardez aussi à Matthieu 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rend. » En fait, s'il y a un moment où tu dis « Moi, j'ai besoin d'avoir ce cœur. Il y a des choses qui m'ont nourri, des choses impures. Je vois qu'il y a des choses qui sortent. » Tout commence dans le secret. Tu jeûnes, que tu pries, tes offrandes, peu importe, tout se fait dans le secret. C'est dans le secret que Dieu va transformer ton cœur. C'est pas dans l'église le dimanche matin. Tu peux être très bien impacté par la prédication, dire « Waouh, c'était super, félicitations pasteur, c'était vraiment bien et tout ça. » Mais si c'est juste pour dire que c'est super et qu'à la maison tu rentres et tu continues ta vie quotidienne, tu es passé à côté. Mais si à la maison tu rentres et tu dis « Moi j'ai envie de prendre un temps dans le secret, j'ai envie de prendre du temps avec Dieu et j'ai envie que Dieu me... J'ai envie de prendre du temps avec lui. Je veux vraiment que je sois là dans le secret. Parce que vous savez, dans le secret, on n'est qu'entre Dieu, entre toi et Dieu. Tu es là à dire, Seigneur, pardonne-moi, toi, il y a des choses, j'ai besoin que tu viennes, comme David, il a fait. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Toi, mon cœur, il n'est pas là. Et je suis dans le secret, je suis dans le secret de mon âme. Viens me parler, viens me dire les choses. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu touches mon cœur. Tout se fait dans le secret. Pas devant le regard des autres. J'ai eu une petite image, vous allez rire, les amis. Mais lorsque j'étais aux toilettes ce matin, eh bien, j'ai eu une pensée, une image que j'ai fait ça vite fait. On est inspiré dans les toilettes, hein. Mais parfois, on pense que nos vies, c'est comme du papier. Et que finalement, à la fin de notre vie, tout est bon pour être jeté dans les toilettes. Vous êtes d'accord? Parfois, on pense cela. Mais lorsque tu... Je ne sais pas si ça fonctionne parce que j'ai pas eu le temps de le préparer. Hein. Ce sont des feuilles de... Mais lorsque tu prends du temps avec Dieu à te laisser transformer, lorsque tu prends du temps à être forgé par Dieu, lorsque tu prends du temps à être façonné, et pour ça, ça prend du temps, eh bien, Dieu, tranquillement, il va faire de ton papier de toilette, il va soulever chaque couche de ton cœur. J'y arrive. Ah! Là, vous avez du temps. Dieu va prendre chaque couche de ton cœur. Dieu va regarder chaque chose. Il va soulever. Il va transformer ton cœur. Il va forger ton cœur par rapport à ce que lui désire et comment lui te voit. Il voit en fait pas du papier à bon aller aux toilettes. Il voit la création. Il voit ce qu'il a envie de faire avec toi. Il voit ce que tu es capable de faire avec lui.
et il te forme tranquillement. Pour former une fleur. C'est ce que Dieu fait avec ta vie. Tu as un regard peut-être différent. Tu penses qu'il y a l'impureté dans ton cœur, tu ne sais pas comment faire. Mais si dans le secret, tu laisses Dieu te faire, tu auras des choses magnifiques. S'il y en a un qui a envie d'aller aux toilettes, j'ai ce qu'il faut. Hein. En fait, au moment où Dieu veut te mettre, veut t'isoler, au moment où Dieu veut te mettre dans le secret, c'est que juste parce que, comme ça, c'est sûr que tu auras un regard centré sur lui. Tu ne seras pas perturbé sur ce qui se passe à droite, à gauche. C'est pour ça que des fois, il dit, rentre dans ta chambre, isole-toi. Quoi. Parce que ton regard restera centré sur moi. Alors, là, en gros, la première étape pour avoir un cœur pur, c'est regarde uniquement dans le lieu secret. Ne partage pas dans ton cœur. Donne un cœur sans hypocrisie. Donne un cœur transparent. Si pour toi, tu fais un service et que tu veux honorer Dieu et que tu n'as pas de bonnes intentions ou que tu as perdu tes bonnes intentions, alors va dans le secret. Restaure cette relation. Demande pardon à Dieu et demande-lui de te créer un cœur pur comme David le fait. Amen. La deuxième étape de mon enquête, comment avoir un cœur pur, c'est donc la première étape, c'est de regarder Jésus. Et la deuxième, c'est garde ton cœur. Vous savez que Salomon était le plus grand des sages. Il a demandé une double onction de sagesse. Et regardez ce qu'il dit dans Proverbes 4, verset 20. Il est marqué, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours. C'est-à-dire que déjà dans le lieu secret, prends le temps dans la parole, prends du temps à écouter ce qu'il veut te dire. Et regarde ce qu'il dit après, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est-à-dire que c'est parce que, en fait, on a dit tout à l'heure que le cœur, il y a des choses impures. Alors, veille sur ton cœur. Garde ton cœur. Regarde ton cœur. Prends du temps à regarder ton cœur. Est-ce que mon cœur, il est pur? Est-ce que mon cœur est impur? Qu'est-ce qui est encore impur dans mon cœur? Veille sur ton cœur. Veille à ce qui se passe dans ton cœur. On essaye parfois, lorsqu'on voit de l'impureté, on essaye parfois de dépolluer la rivière sans aller à la source. Parfois, on voit des choses qui ne vont pas très bien. « Ah, mais pourquoi je suis comme ça ?» Et on essaye de changer, on essaye de mettre du chlore, on essaye de changer notre cœur pour que l'eau soit la plus saine possible. Mais si tu ne changes pas la source, tu auras toujours de l'eau polluée. C'est la source qui doit changer. C'est le cœur qui doit changer. Il y a des gens qui ne prennent pas garde à leur cœur parce que vous n'avez pas veillé dessus. Tu as peut-être fait des choses que tu regrettes. Tu as fait... des choses que tu n'avais pas pensé à faire, des choses contre tes valeurs. Tu n'as pas gardé ton cœur, tu as laissé des mauvaises pensées dans ton cœur. Et avec le temps, ton cœur est devenu un cœur de pierre. Finalement, tu écoutes une prédication, tu écoutes un message, tu écoutes la louange, plus rien ne touche ton cœur. Ton cœur est devenu dur. Ton cœur s'est endurci. Les appels ne te font plus rien. Tu en as marre, on entend toujours des appels. Tu passes au-dessus parce qu'au bout d'un moment, il y a toujours des appels. Que finalement, tu restes à côté, tu dis, ouais, encore, voilà, encore un appel. Ok, on va attendre. On va voir ce que ça va se passer. Allez, hop, que ça passe. Moi, j'ai un rôti à midi. Et en fait, t'es même plus sensible à ce que l'esprit veut te dire. T'es même plus sensible à ce que le cœur veut te toucher. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller sur l'amour que tu as pour Jésus, sur l'amour que tu dois avoir sur les autres. Tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois veiller sur ton orgueil. Tu dois veiller sur l'immoralité sexuelle. Tu dois veiller sur tout ce qui est la folie, la méchanceté. Tu dois veiller sur les mauvaises pensées, comme je disais, la débauche. Parce que c'est de là que jaillissent l'impureté. Mais ce qui est beau, c'est que c'est de là aussi, comme c'est marqué, que jaillissent les sources de la vie.
tout commence par ton cœur. La question ce matin, c'est comment va ton cœur? Je vais demander au groupe de louanges de monter. Je vais regarder encore un passage dans Ézéchiel 36, verset 25. Il est marqué « Je vous aspergerai d'eau pure ». C'est Dieu qui parle. Et je le proclame aujourd'hui pour chaque personne qui sont ici dans cette assemblée, sur l'estrade comme dans l'assemblée. C'est une parole encore vivante pour toi aujourd'hui. Saisis cette promesse. Il est marqué « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Il est marqué au verset 27, « C'est mon esprit que je mettrai en vous. » Mes amis, Dieu change les cœurs, mais il faut que tu lui donnes accès à Dieu dans ton cœur. Alors comment donner accès à Dieu dans notre cœur? Eh bien, c'est par la foi. C'est par la foi que tu donnes accès à ton cœur. C'est-à-dire, Seigneur, moi je ne comprends pas. Je suis dans une situation compliquée. Je n'arrive pas. Il y a de l'impureté, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Mais moi je crois en ces paroles. Je crois que tu peux changer mon cœur de pierre en cœur de chair. Je crois que tu peux m'asperger et de m'enlever toute cette impureté. Je crois que ton esprit peut venir en moi. Je ne comprends pas, mais j'ai la foi. J'ai la foi que tu peux me changer. J'ai la foi que tu peux me transformer. Et qu'est-ce qui prouve la foi? L'obéissance. C'est-à-dire que oui, j'ai la foi, mais je vais obéir. J'ai la foi, mais je vais me mettre en action. La Bible dit cela, je ne comprends pas. Moi, je vis dans une situation compliquée, je n'arrive pas à comprendre. La parole dit ça. J'ai foi en toi, alors j'obéis. Le Saint-Esprit a fait en sorte d'inspirer des hommes de Dieu à travers la Bible. Le Saint-Esprit a fait en sorte que malgré les persécutions, malgré les âges, malgré tout ce qui se passe, la Bible est encore venue d'une manière le plus intacte possible, alors qu'il n'y a aucun livre qui existe comme cela, qui nous est parvenu d'une manière aussi intacte. La Bible est venue parmi nous parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre et a fait en sorte qu'elle vienne jusqu'à nous. Et la Bible est un lieu où tu peux te restaurer dans le secret. Un lieu où ça va te forger. Un lieu où ça va enlever ton impureté. Un lieu où ton cœur va changer, où la source va changer. La source ne sera plus une source d'impureté, mais une source de vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, mes amis. Vous vous rappelez de l'histoire de Job? Vous vous rappelez de l'histoire, comment il est passé? C'est-à-dire que Satan et Dieu ont parlé ensemble, et puis Dieu lui dit, « Ok, ne touche pas à sa vie. » Parce que la vie est plus importante que tout. Tu peux toucher à tout ce qu'il a autour, et surtout ne touche pas à sa vie. Parce que moi je sais que même si il devient le plus exécrable des personnes, moi je peux le transformer et faire en sorte qu'il soit une fleur. Alors, Satan est intervenu, il a perdu sa famille, il a perdu ses biens, il a perdu tout ce qu'il avait, alors que Satan disait, ah, je suis sûr qu'il regarde d'une manière désintéressée. Parce qu'il a tout ce qu'il a. Et Dieu va lui dire, non, parce que moi, je vois son cœur transparent. Je vois ce qu'il a. Je sais que son cœur est pur. Je sais que son cœur est droit et intègre. Toi, tu ne vois pas Satan. Tu ne vois pas ce qu'il a dans son cœur, mais moi, je le vois. Alors, touche pas à sa vie. Touche tout ce que tu veux autour, mais touche pas à sa vie. Parce que moi, je sais qu'il a un cœur droit. Alors, Job, il a perdu plein de choses. Il a perdu tout. Ses amis l'ont essayé de le raisonner. Mais lui, il savait, il avait un cœur pur, il avait un cœur droit. Il savait que Dieu avait des bénédictions pour lui. Peu importe tout ce qu'il avait perdu. Et regardez ce qu'il est marqué dans Job 42, verset 5, tout à la fin. Il est marqué, Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Je savais qu'il y avait un Dieu qui était comme ça. »
et maintenant mon œil t'a vu. C'est beau, hein? Est-ce qu'on peut applaudir Dieu? Job n'a jamais vu Dieu en vrai, mais il a vu Dieu dans toutes ces situations. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, mes amis. Voir Dieu, c'est voir Dieu maintenant. C'est voir Dieu dans ma vie, là, même dans les moments les difficiles. Je veux le voir quand je travaille. Je veux le voir dans ma journée. Je veux le voir dans mon quotidien. Le peuple qui est pur de cœur, comme Job, peut voir Dieu aussi dans l'Écriture, qui touche sa vie. La personne qui est pure de cœur peut voir Dieu dans sa famille d'église. C'est ce que Job a vu. Job a vu sa fidélité parce qu'il a vu des bénédictions alors que son cœur était intègre. Il a vu Dieu agir d'une manière incroyable. Il a vu Dieu changer sa situation parce que son cœur était pur. Je vais terminer par quelque chose. Continuez à jouer. Vous savez que le pur, dans le grec, le mot pur veut dire kataros. Et ça vient du mot cathéter. Vous savez en médecine ce que c'est que le cathéter? Passer un cathéter. En fait, on utilise pour débloquer des artères du cœur, on utilise pour évacuer, on utilise le cathéter pour plein de choses. Eh bien, un chrétien qui a le cœur pur, c'est un chrétien qui a appris à évacuer. Parfois, il y a peut-être des choses dans ta vie qui semblent bouchées, mais tu dois apprendre à évacuer. Tu es rempli de colère, prends un cœur pur, prends ce cathéter et laisse évacuer. Tu es rempli d'amertume, apprends à évacuer. Tu as des paroles qui ont été prononcées contre toi, apprends à évacuer. Tu as des rêves qui ont été brisés, tu as des espoirs, tu as des choses que tu ne comprends pas, tu es en pleine souffrance, apprends à évacuer. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, évacue. Un chrétien qui a le cœur pur apprend chaque jour à évacuer, dans le secret. Dire, Seigneur, je n'y arrive pas, je ne comprends pas, je ne sais pas. Et Dieu crée en moi un cœur pur. Apprends-moi à évacuer. C'est qu'on se lève ensemble ce matin. Pour ceux qui étaient impactés ce matin par ce message, je voudrais que tu puisses peut-être poser ta main sur ton cœur. Est-ce que ton cœur est malade? Est-ce que tu as quelque chose contre quelqu'un? Est-ce que tu as de l'amertume? Est-ce qu'il y a de l'impureté? Est-ce que tu mets un masque? Qu'est-ce que tu caches? Est-ce que c'est de la souffrance? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que ce sont des mauvaises pensées? Prie là où tu es. On va prendre un chant. Et après, je vais prendre un temps de prière tout à l'heure. Prends ce chant et loue le roi des rois.